arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a un petit peu de ces bricots, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de deck les gars. Avant que la vidéo commence les gars, très important, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu des familles, ça ferait sans plaisir, et merci à ceux qui le feront. Donc voilà les gars, passons un petit mortier bait les gars, qui est très 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 fort. Je l'ai pas testé encore, mais je l'ai vu jouer. Le mec est un putain de monstre, donc le mec monte, enfin voilà, le mec, c'est sur ce profil que j'ai vu. Et j'ai regardé une de ses games, il est vraiment fort avec, donc on part tout de suite dans cette première game. Contre Daronix. Bon, non, au début, on a pas tous des joueurs très très forts, hein, c'est normal. Nous sommes au début d'un super défi. Donc voilà, allez, petite chebu pour cycler. Ok, il met un fantôme, très bien, il met des fripons. Est-ce que les fripons sont forts déjà? Ça, c'est une vraie question. Ah, voilà, c'est assez pété, j'avoue. Allez, petit mortier. Ok, voleuse, il met beaucoup d'élixir hein, pour l'instant. On va bien évidemment aller protéger ce mortier. Hein. Mortier, c'est nos chouchous. Très important de le laisser toujours en vie. D'être bien relou. Et là, on va se mettre une pression avec un mineur basse. Ok, bon, on va mettre rien du tout comme pression. On va juste défendre le premier combat. En mettant un pré-shot, du coup. On a eu un peu de chat hein, sur le pré-shot. Ok, pour l'instant, on met de gros dégâts avec le mortier. Ça, c'est plutôt cool. Ok, ma fantôme, on va aller mettre des fripons ici. Hop, tranquillement, on va aller remettre le mortier derrière. Bien, ok, boule de feu en plus. Alors ça, je suis pas sûr que ce soit la meilleure de toutes les, de toutes ces idées. Il n'y a plus beaucoup d'élixir. Ouais, ok. Voilà, il met en plus le pire archimagique de sa vie. Ok, bon là, il a bien wesh. J'étais obligé de défendre en plus. Ça, c'est relou. Hop. Voilà, frérot, tu forces. Là, t'as plus de zap. Ouais, je reconnais ça. Ça part en... Ouais, il est trop chiant. Il est trop chiant. Si le mineur. Je sais pas si le mineur il a assez de points de vie. Je pense que c'est de partir en base derrière. Hop. Il se donne une pression quand même. Ok, merci c'est très quoi. Allez le gars, ça va can. Et je pense qu'on va remortier. Non, pas mortier. On va attendre un petit peu. Parce que là, je sais qu'il y a un truc au pont, genre voleuse ou comme genre. Ouais, ou bélier ou je dirais, c'est un truc comme ça. Est-ce que ça défend? Je sais absolument pas. Waouh, la vitesse de frappe avec des fripons, c'est n'importe quoi. Ok, attendez, je vais essayer de mettre un mineur. Je vais débattre. Ok, il met un P4, très bien. On va mettre un mortier def. Premier mortier def de la game, hein. Ok. Voilà, il va tenter de tout speak, je suppose. Ok, on les BDF directement starcher, il est relou, hop. Ok, on va mettre ça là, hop. Petit fripon en plus. Ok, nickel, là on a les fripons value. Et là on peut aller fripons derrière. On peut aller mortier, je veux dire, qu'est-ce que j'en prends quoi. Ok, les PK, on va les mettre un mineur en plus. Ok, petit volin sur la canne. Petite bûche ici en plus. On a le gang ici pour aller, voilà, récupérer le PK. Et on va simplement aller prendre cette win. Un peu plus spam. Bon, le mec c'est pas très très bien joué mais vas-y le deck est quand même super fort hein. Faut l'avouer le deck était très très puissant. Moi forcément je n'ai jamais joué donc forcément je suis pas incroyable avec tu vois mais bon. Après le PK Brick Shop je sais pas si c'est vraiment le meilleur matchup hein. Après il faudrait voir sur l'API et puis voilà donc c'est parti pour la deuxième game contre Sophie. Allez on va mettre un petit premier mortier first play, bonne chance mon frérot. Ok, mortier qui connecte déjà. On va aller bien évidemment protéger ce mortier. C'est pour ça exactement que quand je dis ça, je rate ma protection. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Ok, mais nous, le placement anti-tornade, on peut mettre une casse-pied haute, hein, juste rater en mineur. Ok, on peut les bûches, je sais pas si je l'ai laissé les focus. On va aller mettre de gros dégâts déjà pour commencer cette game, ça commence très 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 bien là. Hein. Un très très bon start. Malgré de miss de protection. Okay, on a une boule de feu, on va pas se faire plus chic que ça. Hop. C'est ciao. Et là on peut mettre un petit gang au fond, il a fait une bonne value. Il a mis 4 dans le vent. Ok. Petit gang sur la carte qui va permettre de contre-push.
Hop. C'est plutôt pas mal, hein. J'espère que... Ah, il meurt, putain. Bon, je sais qu'il a un mineur. Ouais, il a un deck chelou, lui aussi, là. Ouais, je mets peut-être des titans, là. Ok, mettre le petit petite base. On va y mettre les mimi derrière. Ok, petit mimi ici. Ah ouais, ça c'est une bête BDF ça. Une bête value comme on les aime. Voilà, t'es les bats et le mineur. Il a tout mal fait. T'es calme dans ce monde. Ouais, par contre, wesh. Oh, fais un effort. Ouais, il va sortir une mamie de nulle part là. Vous allez pas comprendre. Ok, ça va. Ok, défends avec ça, pourquoi pas. Je pense que je vais sortir un petit peu, j'ai mortier. Genre masse, non, faut pas qu'on commence avec un mineur. Parfait. Ok, ça connecte à la tour, ça c'est cool. Il met sa... Merde, j'ai mis... Je mets une bûche de base, hein. Si vous voulez savoir. C'est une bûche de base qui partait. Et si, bon... Ok, on va mettre les chauves. Plus les gangs de gobelins. Ah ouais, c'est pas mal ces BDF, là. Merde, il y a une Valkyrie, mais putain, mais j'ai deux cubes aussi, là. Ah ça va être assez... Ah non. Je pensais qu'il avait raté, mais pas du tout. Très bien fait son move. Ok, petit chobu ici. Ouais, mais il y a une reine aussi, quoi. J'ai pas compté les cartes, mais... Qu'est-ce qu'il vend avec une reine, quoi. Wesh. Y'a toute économie de Pékin avec une reine ou c'est moi, là. Voilà, le deck bête il est très très fort, hein. Vraiment. Après, je le déconseille aux joueurs débutants parce que c'est un deck très dur à jouer, hein. Le mortier, si c'est pas quoi mettre au bon moment, etc. Les timings sont assez compliqués. Donc voilà, je vous le conseille pas forcément à vous. Allez, c'est parti, troisième game. Ok, tombe sur sinistre. Ok, Gomas avec un opon, déjà ça commence très très mal. Hop, petit mortier. Qu'est-ce qu'il y a pour défendre? Les archers, très bien. Hop, c'est le chat, les archers. Ok, il met une bûche, pourquoi pas. On va y mettre deux coups de mortier, plus deux coups de fripon. Ok, on va pas y mettre deux coups de fripon, on va mettre une bûche par contre. Ok, bon, on a rattrapé les dommages. Hop, parfait, on a la boule de feu. Voilà, gros, t'es chiant. On va rien mettre tout con, calme-toi. Calme-toi au bout d'un moment. Ok, bon, on va mettre le, je pense, mini-bat. Le mini-bat, parce que je pense qu'il n'a pas grand-chose pour défendre les mini-bats ou mini-bon mineur. Ok, il a une Tesla. C'est pas la meilleure type de défense, sachant que la vitesse de frappe a été réduite. Donc, on a pas mal de dommages. On peut remettre un petit mimi, un petit, n'importe quoi, un petit mortier. On va voir ce qu'il a. Ah bah, très bien. Gobin, ça va c'est parti. On a la bûche hein, s'il faut. Ok, rien de gong en plus, comme ça, les deux petits gobelins qui vont faire le teuf derrière. Voilà, exactement. Évitez de prendre un coup, ce serait quand même con. Ok, laisse les gobelins qui commencent à gratter. On a la chebu ici, donc ça, ça va. Hop. Donc là, étant donné qu'il n'a. Ah, si, là, c'est. Il y a comment ça s'appelle. C'est archer, mais c'est pas grave. On va quand même tenter un push mineur bats. Ok. J'avoue, je sais pas trop quoi faire. Il va mettre les archers, on va les boucles de feu ça. Hop. Tranquillement. Ok, là c'est ballon. Il avait quoi ouais. Il a les chebus. Ok, voilà. On va assumer le coup de mortier, c'est le coup de. Du ballon. Ok, nickel. Le mortier qui focus la tour. Pas trop mal, ok, on va mettre notre gang ici pour aller protéger le golin Sabakan. Il sort d'où son gel là? Alors, Zero Man. Ok, je peux peut-être me merde de toutes les boules de feu, j'avoue. On a le mineur, pour gratter, c'est pas trop grave, on va mettre mineur golin Sabakan au poumon. Hop, ouais, il y a son masquette qui va être relou.
on a deux bûches, deux boules de feu normalement. Attends, il n'a pas l'angèle, c'est vrai. J'ai oublié cette étoile. Déjà, juste ballon, c'était bien aussi, tu sais. Là, on peut attraper chaque bûche. Ouais, bien sûr qu'on peut attraper chaque bûche ici. Et la boule de feu qui ne termine pas du tout. Donc, on va se calmer. On va défendre. Ça peut être un bon plan d'action. Ok, là, on peut les BDF. Les BDF value. On a les bats. Et là, ouais, ok. Nice, ok, bon, game pas facile, hein. Le mec, il avait l'air un deck assez bizarre. Je sais pas si trop ce qu'il jouait. Ouais, bon, merde, ouais, bon. Ok, ouais, bon. Il a bien grâce à 4 parce qu'il était up, quoi. Ah, et c'est parti contre Emilio. Donc le frérot, c'est faux, on le connaît pas. Allez, petit gobelin de gobelins au pont, on peut commencer tranquillement avec ça. Ah ouais, il perd pas de temps, le frérot, en face. Ah ouais, voilà, d'accord. Je vois le genre. Alors, le seul souci, là, qu'il y a à voir, c'est que mes basses va vous mourir, en fait. Est-ce qu'on pourrait pas être mineur, là, par hasard? C'est quand même pas mal, là, il me semble. Dommage que ça one-shot pas les petits gobelins, non, ça serait sympa. Bon. Ok, bon. Petit mortier. Ah, yes. C'est pas drôle. Hein. Si je pose mon mortier, que le mec. Ok, bon. C'est du MK bait. Très très bien. Voilà, on est sur. On va être sur l'art du bait hein, cette saison. Je vous l'annonce. Ah, le souci, c'est que là, ça a touché. Ouais. C'est relou, ça, un peu. Bah, l'MK qui met bien milliard de dégâts, hein. Let's go. Hein. Ok, là c'est plutôt pas mal. Ouais, il a gang plus. Ouais, c'est vrai que. Match est pas forcément évident. Là, un petit MKB, ça fait pas plaisir hein, de me le taper, j'avoue. Bon, mortier, là, je sais pas trop comment il va passer. Hein. Mortier qui a pas l'air de trop l'embêter. Il a quoi pour défendre? Ok, zap, ouais. Il va sauvegarder, je suppose. Je pense qu'il a plus d'élixir, ça nous l'aurait déjà mis. Voilà, c'est pas ce que je pensais. Et qu'il se mette des griffons bien haut pour éviter le MK. Ouais, il faudrait choisir un placement de fripon où le MK ne saute pas parce que sinon à chaque fois il détruit mes fripons derrière. Je pense que comme il a plus de zap, on peut envoyer la couscoussière là. Ah. Ouais, c'est ouais, plus de zap. Hein. Ok. C'est logique, il MK. Là, je pense que les fripons sont assez loin pour pas que. Ouais, MK, c'est bien ce que je pensais. Ok, on a la bonne bûche là, hop. Ouais, le mec il a envoyé la couscoussière le mec là. Il est bien défendu donc ça va, hop vite. Ah dommage. Ok, il a clairement raté son zap. Je pense qu'on va plutôt des prochaines boules de feu. Hein. Je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Ok, on va mettre des fripons ici. Ouais, bon, le mec il envoie... À chaque fois lui il envoie la couscoussière de toute façon. Voilà, le seul souci c'est encore une fois hein, le MK. Hein. Voilà, après là, il a plus rien pour défendre maintenant. Là, c'est le moment où ça va être la merde pour lui, puisque là, il a plus rien pour défendre. Hop, 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 hop. Ok, nickel. Là, on a une bonne bûche. C'est parti, on la prend. Et là, le mortier qui connecte, et c'est le GG. Sur ça, bon, on a bien joué là. Hein. On a très très bien joué la game. Au début, on s'est fait défoncer. Et après, on a réussi à prendre le contrôle de la game. Donc ça, c'est pas trop mal. Bon, les gars, 4-0, c'est plutôt clean, je trouve. Donc le mec était éclaté au sol, mais Bon, sinon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, les gars, c'était un coup, ciao.